Attention la fréquence, 14 Fox Charlie, Bravo Alpha, séparation Foxtrot Roméo. Opératrice Chantal en activation des X vous propose un QSY. Transmettez, merci. L'activité principale de notre association est l'assistance radio. Mais nous faisons aussi du DX. Pour les néophytes, qu'est-ce que le DX? C'est un contact radio longue ou moyenne distance. D veut dire distance et X, opérateur inconnu. Une station radio comprend un poste émetteur et récepteur et son micro, une alimentation, une boîte d'accord qui permet l'accord de l'antenne et du poste, une antenne omnidirectionnelle, filaire ou directive. D'habitude, nous organisons une journée radio à la butte de Launay, à Soussac, un des points les plus hauts de Gironde. Mais, comme tout à chacun, notre association a un devoir de mémoire. C'est pour cette raison que notre choix cette année, suite à une fiche idée complétée par un de nos adhérents, s'est porté sur le mémorial de la ferme de Richemont à Socatz. 13 jeunes sont tombés sous les balles ennemies le 14 juillet 44 pour notre liberté. Un obélisque de 35 mètres de haut a été réalisé au centre des ruines de la ferme. À sa base, 4 statues symbolisant la foi, le sacrifice, le courage, la victoire, œuvre de la Bordelaise Armande Marty. C'est un haut lieu de la résistance du Sud-Ouest. C'est par une belle journée estivale que s'est déroulée notre activation. Soleil, un peu de vent et 27 degrés, le rêve. Propagation aléatoire, mais nous avons fait 15 contacts. 13 sur le 27 MHz, 2 sur le 7 MHz en radio amateur. Des départements que nous n'entendons pas souvent, comme le Gers, le Lot et Garonne, la Dordogne, les Bouches du Rhône, sont venus nous contacter. Le verre de l'amitié et un repas champêtre à la carpe au miroir à Socatz a clôturé cette matinée. Les gestes barrières ont été respectés, de même que le nombre de convives 10 et le masque au moment nécessaire. Une journée amicale à renouveler.